Yo, je suis Mantzekzikik, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo au déballage. Donc j'avais annoncé dans une ancienne vidéo, je crois que c'était dans une vidéo RP que j'avais annoncé ça au début. Donc c'est une souris que j'ai acheté 4€, donc je sais même pas son nom. Gaming Mouse X3, donc c'est une marque japonaise ou chinoise, je sais pas exactement. Ah, chinoise, voilà, made in China. Donc je l'ai acheté 4€ sur le site Gearbest. Donc en fait j'ai vu une vidéo d'un youtubeur, je sais plus exactement son nom, je suis désolé. Mais je vous mettrai le lien de la vidéo de ce youtubeur dans la description. Donc je l'ai vu, il a dit que c'était une super souris, du coup j'ai voulu la tester. Je l'ai acheté 4€ sur Gearbest. Par contre ça a mis assez longtemps pour que je la reçoive, et du coup bah, on va déballer tout ça. Donc c'est une souris avec 800, on peut aller de 800 jusqu'à 2400 dpi. Donc on a 800, 1200, 1600 et 2400. Non, c'est 16 000. Ah, je crois qu'ils ont mis à zéro en trop, parce que 16 000 dpi, je crois que c'est impossible. Donc voilà, donc on va l'ouvrir direct. Tac, 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 voilà. Donc l'emballage est très basique, il n'y a rien du tout dedans. On a juste la souris qui est emballée comme ça. Et attention, j'enlève le papier bulle. Et for the game. Wow. Et elle est stylée ou elle est pas stylée? Le câble, donc câble tressé pour 4€ quand même, c'est un truc de malade. Le port USB a l'air d'être assez costaud. C'est assez mastoc le truc. Donc câble tressé, donc ça c'est une bonne chose. Après donc là on a le bouton, donc là on a le bouton DPI, on a la molette, les clics, clic gauche, clic droit. Sur le côté on a trois boutons programmables je crois. Enfin on peut les programmer dans les jeux, mais après ça le bouton là je crois que c'est le bouton couper-coller je crois. Et là c'est retour arrière, retour avant. Retour avant ça veut rien dire. Du coup ben voilà, donc on va la tester, je vais l'allumer tout de suite. Tac, je vais la brancher à la place de ma souris Maxter, qui est un peu de la merde. Je sais pas, j'en ai marre en fait de cette souris. Donc moi, la souris que j'avais, c'était celle-là. C'était une Maxter que j'ai acheté 5€ sur au magasin Action. Ok. Donc c'est une souris plug and play, donc c'est dire qu'on la branche et elle marche. Donc elle s'allume de différentes couleurs, bleu, violet, rose. Par contre, le fake de la vidéo. Par contre, j'ai l'impression que le fondu se fait pas sur une couleur. Ça passe de bleu à rose direct. Après ça c'est normal, ça coûte 4€, on va pas avoir des composants de ouf à l'intérieur. Donc je vais prendre directement mon petit tapis qui est un peu niqué sur le côté ici. On va la tester tout de suite. J'ai mis un petit plan au calme. Donc clic droit ça marche. Le clic droit a l'air d'être assez costaud. Enfin quand je clique c'est je sais pas si vous voyez, mais c'est dur en fait. On va tester les autres boutons sur internet. Donc clic avant, hop hop. Et je crois du coup que ça c'est collé, je crois. Non, c'est pas ça. Bon, je sais pas exactement c'est quoi ce bouton alors, mais au moins ça marche. Donc là, on a deux petites fentes, pas si vous voyez. On a deux petites fentes pour mettre les deux doigts en fait, comme ça. Votre main, elle agrippe bien la souris. Franchement, elle est cool pour le prix. Donc pour le prix, franchement, je vous la conseille. Elle est vraiment cool. Surtout, j'aime bien le dragon qui est là, il est trop stylé. Donc je vous la conseille. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Elle coûte que 4€. Après vous pouvez choisir France Express, c'est 30 centimes en plus, donc ça vous fait à peu près je crois 4€ et des poussières, et vous la recevez entre 12 et 17 jours, donc il est raisonnable pour le prix. Vous n'allez pas avoir une livraison en un jour, c'est logique. Du coup moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Je compte sur vous pour que vous mettiez un maximum de pouces bleus, de commentaires, de partage, vous abonnez si c'est pas encore fait, vous activez la petite cloche de notification, ça me fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.